Merlin, le petit chien magique, avec vous il va jouer. Comme il porte un collier magique, son vœu va se réaliser. Par une matinée très ensoleillée au port des flots bleus, Mademoiselle Roseau fait son marché et discute de choses et d'autres avec Madame Moreau. Vous me mettez l'eau à la bouche. Oh, sincèrement, Madame Moreau, la nourriture est excellente. Une des meilleures tables de la région. J'aimerais y aller. J'essaierai de décider Hervé à m'y emmener. Nous aimons tous les deux les bons repas. Et Port-Coquet n'est pas si loin après tout. Vous devez y aller. Je suis sûre que vous ne regretterez pas. Le cadre est très joli, la musique agréable. Un petit paradis. Bonjour, mesdames. Ravi de vous voir. Comment allez-vous? Très bien, merci, Émile. J'étais en train de parler à Madame Moreau d'un nouveau restaurant à Port-Coquet. Il est vraiment, vraiment extraordinaire. Oui, en effet. J'en ai déjà entendu parler. Mademoiselle Roseau dit que la nourriture est excellente et que le chef est connu dans le monde entier. Le meilleur repas de toute sa vie. J'avoue que c'est tentant. Vous allez l'essayer? Oh, bien sûr, j'irai. Je ne sais pas résister à un bon repas. Tout le monde parle de ce nouveau restaurant à Port-Coquet. Leur chef est réputé dans le monde entier et sa cuisine est tellement bonne que certaines personnes viennent du bout du monde pour la savourer. J'espère qu'il sait cuire les saucisses. Bien sûr qu'il sait cuire les saucisses, Merlin. Je sens l'odeur des gâteaux. Et n'y touche pas, ce n'est pas pour toi, c'est pour ma peluche. Ils sont en plastique, ces gâteaux. Je peux les manger? Merlin, comme d'habitude, tu ne penses qu'à manger. J'ai une idée. On va faire semblant d'avoir un restaurant. Je serai la patronne, et Merlin le chef cuisinier, et toi, Kiwi, tu seras la serveuse. C'est moi qui ferai la cuisine. Génial. Où sont les saucisses? On fait seulement semblant, Merlin. Un peu d'imagination. Pas de vraies saucisses? Ce jeu est stupide. Pourquoi on n'irait pas creuser des trous dans le jardin ou jouer à la balle? Tu sais très bien que c'est interdit. Tu n'es pas obligé de jouer avec nous si tu n'en as pas envie. J'ai pas envie de jouer à des jeux de filles. Je retourne dans ma niche. On sait jamais. Il y a peut-être de vraies saucisses qui m'attendent là-bas. J'y pense. Je ne suis pas obligée d'attendre pour manger. Je peux me servir de mon collier magique et devenir un grand chef. Le problème, c'est que je ne me souviens jamais comment il marche. Ah, je sais. Je me concentre très fort en fermant les yeux. Je veux devenir un grand chef de cuisine, maintenant. Oh, ça ne marche pas. Ce collier magique n'est plus magique. Pourquoi je n'arrive jamais à me souvenir du mode d'emploi de ce collier? Il faut peut-être que je cours après ma queue. Je veux devenir un grand chef de cuisine. Rien à faire. Oh, mais c'est terrible. Maintenant, je commence à avoir très faim en plus. Si seulement je pouvais devenir un grand chef de cuisine. Il suffit que Merlin prononce les mots magiques. Oh, super! Ça a marché! Je suis un chef et j'ai mon propre restaurant. Ah, vous voilà, chef Merlin. Avez-vous décidé du menu de ce soir? Kiwi doit les imprimer et les déposer sur toutes les tables. Ah oui, 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 le menu. Voyons voir. Un petit casse-croûte m'aidera à réfléchir. Je reviens tout de suite. Parfait. Tout est prêt pour l'ouverture du restaurant ce soir, sauf les menus. J'espère que le chef Merlin s'est enfin décidé. Je vais me renseigner. Alors, ce menu? Nos premiers clients vont bientôt arriver. Je donne le là.
Oh, hors d'œuvre, brochette de saucisse. Os farci à la saucisse ou des rouleaux de saucisse. Plat de résistance, saucisse frite, curry de saucisse, soufflé aux saucisses ou le plat du jour. C'est quoi le plat du jour? Une petite seconde, je réfléchis. Des saucisses. Oh, bonne idée. La liste des desserts. Saucisse à la glace vanille ou saucisse à la crème. Pas mal, non? J'espère seulement que nos clients aiment les saucisses. Bah, tout le monde aime les saucisses. Allez, au travail maintenant. Chef Merlin, nos premiers clients viennent d'arriver. Ils veulent les brochettes de saucisses pour commencer et ensuite le plat du jour. Entendu. Alors, des brochettes de saucisses et le plat du jour. Par quoi je commence? Ça y est, les brochettes de saucisses sont prêtes. Dans combien de temps le plat du jour? Bien. Ce sera mon chef-d'œuvre. Tout ce que j'ai à faire, c'est mettre les saucisses au four. Je vais dire aux clients qu'ils seront servis dans quelques minutes. Oh, écoutez, le groupe a commencé à jouer. Oh non, mon soufflet aux saucisses est retombé. Ce n'est pas grave, chef Merlin. Nous devons servir le plat du jour, qui devrait déjà cuire dans le four. Je veux mettre le four très chaud. Ça ira beaucoup plus vite. Tu en es sûr, chef Merlin? Oui, je connais mon métier. Si tu le dis, je retourne m'occuper des clients. Merci, merci beaucoup. Nous aimerions maintenant vous interpréter une petite ballade que j'ai composée moi-même. Et je voudrais la dédier à une jeune fille extraordinaire qui s'appelle... Kiwi. Oh, Oscar, comme c'est gentil. Chef Merlin, je ne suis pas certaine que votre plat du jour doive fumer. Oh, le four doit être trop chaud. C'est normal, ce bruit de locomotive à vapeur? Oh, non, je ne crois pas. Je devrais peut-être le baisser un peu. Vous ne devinerez jamais ce qui m'arrive. Oscar chante une chanson pour moi. Tu es la plus jolie des petites chiennes et je t'ai choisie pour être ma reine. Oscar chante comme une casserole. Oh, chef Merlin, tu as oublié ton plat du jour. Ce bruit n'est pas normal. Oh, oh, les saucisses doivent être brûlées. Aux abris, chef Merlin. Oh oui, tu es si jolie, Kiwi. Kiwi, je t'aime à la folie. Un peu trop de sel, peut-être. Oh, Merlin! Regarde ce massacre! Tu vas avoir de sérieux problèmes! Je n'ai plus du tout envie d'être un chef. Si seulement je pouvais retourner dans ma niche. Il suffit que Merlin prononce les mots magiques. Oh, je suis de retour! Parce qu'on est bien chez soi! Ah, tu es là, Merlin. Allez, viens jouer avec nous. On fera semblant d'avoir un restaurant. Tu seras le chef cuisinier. En y réfléchissant bien, j'accepte avec plaisir. C'est plus prudent de faire semblant d'être un chef.